Peggy 3. Salut tout le monde, c'est Immortal et on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing très particulier et très très spécial, je dirais. Ça me tient en fait vraiment à cœur. Après ce unboxing, vous aurez une vidéo de gameplay. Donc là, en attendant, on va donc commencer. Je vais commencer par vous présenter et vous faire le unboxing de Sonic Mania Plus. Donc plus, c'est la version donc sortie avec des ajouts, et bah, la première fois que le jeu sort en physique, parce que en fait le jeu est sorti à la base il y a un an, en août 2017, donc en version dématérialisée hein, sur tous les supports, PlayStation Network, Xbox Live, les plateformes PC, je crois qu'il était déjà sorti sur Switch, enfin je sais plus. Bon, c'est vrai que la Switch, c'est pas une console que je possède encore actuellement, donc après je peux me tromper sur certains renseignements. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la version physique sous les yeux est sortie sur Xbox One, PS4, Switch et prochainement sur PC, ça devrait être le 29 août. Normalement, le PC devrait avoir une version physique aussi. Si je dis pas de bêtises, après si c'est le cas, bah, laissez un commentaire. Donc là, moi étant collectionneur, et comme je compte, je suis un fan de Sega, et je compte aussi jouer sur mes deux consoles, j'ai donc pris sur PS4 et Xbox One, PS4 Pro, Xbox One S pour être précis. Donc là, par souci de détail, je vais plutôt ouvrir la version PS4 parce que il y a le disque qui se balade et j'aimerais m'assurer que le disque n'est pas rayé. Alors que la version Xbox One, le disque ne bouge pas, il a l'air d'être bien fixé, donc je vais attendre un petit peu pour l'ouvrir. Donc là, on va donc enlever le blister de cette version PS4. Donc là, après le premier blister qui entourait le fourreau, on a encore un blister. Donc voilà, blister officiel du boîtier. Ça c'est fait. Voilà, donc comme je le pensais, le disque n'est pas fixé, bien entendu. Apparemment tout est ok. Alors le truc qui est vraiment génial, c'est qu'on a une notice.
Ça, c'est vraiment super. C'est quand même très rare pour le souligner. Et même s'il n'y a pas grand-chose, c'est quand même... Ça fait toujours plaisir d'avoir la notice. Donc, ensuite, on a un petit artbook que je vais vous montrer après. Là, déjà, dans un premier temps, on peut quand même voir que le four au carton est vraiment magnifique. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc on peut y jouer... Ouais. On peut y jouer de 1 jusqu'à 4 joueurs. La version PS4 est optimisée Pro. Et la version Xbox One est optimisée sur One X. C'est précisé ici. Et c'est encore de toute façon... Repréciser derrière. Donc voilà. Donc là maintenant que mon disque est bien fixé, il y a un truc que j'aimerais comme vous montrer et ça franchement je trouve ça vraiment magnifique. C'est la jaquette réversible. Une jaquette pour faire plaisir aux trentenaires. Franchement, ça c'est bon ça. Pour ceux qui ont connu l'âge d'or de la Mega Drive. Petite jaquette réversible, franchement, aux couleurs des jaquettes de l'époque, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Je vais même l'insérer dans le boîtier maintenant. Ah, c'est vraiment sympa. C'est un clin d'œil qui est vraiment... personnellement, j'aime beaucoup. Hein. Je peux vous dire que je vais faire pareil sur la version Xbox. Ouais, c'est vraiment... vraiment très sympa. Regardez, franchement, ça en jette. Hein. Franchement, ça en jette. Hein. C'est très, très, très sympa. Hein. Je crois que je vais le laisser comme ça, tellement que c'est beau. Alors, ensuite, on a dit la notice, on la met de côté. Donc là... Un artbook. Alors, je me souviens plus trop du nom des développeurs, mais il faudrait que je vous le remette dans la description de la vidéo. En tout cas, le jeu est édité par Sega. Donc, ça, c'est très très bien. Donc, un artbook plutôt pas dégueulasse, hein, quand même. Hein. Regardez ça comme c'est beau. Regardez ça comme c'est beau. Mais c'est trop bien. Donc voilà, les personnages additionnels donc ont été ajoutés pour cette version plus, c'est Mighty et Ray. Donc qui du coup des personnages qu'on avait fait connaissance, dont enfin dont on avait fait connaissance en arcade. En arcade en Sega Sonic, ça remonte à plusieurs années, vraiment c'est. Ça remonte à très très loin, j'étais assez jeune. Donc après, c'est des personnages qui sont pas forcément indispensables, mais qui apportent du fun supplémentaire et le fait de jouer avec des personnages en plus, c'est plutôt sympa. Donc voilà, qui font partie de cette version plus. Voilà. Il y a aussi un niveau supplémentaire. Il y a eu des réajustements. Pour certaines choses, je crois, niveau gameplay, des petites, il me semble, des petits réajustements au niveau graphique aussi. Il y a eu des petites animations supplémentaires pour certaines choses. Par contre, je sais plus s'ils ont changé des trucs au niveau musique. En tout cas, cette version plus apporte beaucoup de choses. Un mode de jeu supplémentaire, des personnages en plus. De toute façon, le jeu est beaucoup plus complet finalement et beaucoup plus pas complet en tout au niveau contenu et techniquement encore plus abouti qu'il y a un an. On peut pas dire que ce soit beaucoup plus abouti, mais c'est super beau, hein. C'est super beau. Donc évidemment.
Évidemment, l'artbook il est identique sur Xbox One, hein. On a aussi la jaquette réversible sur ce support, la notice, on a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Donc moi ce que je compte faire après, c'est donc vous montrer un extrait de gameplay. Et je ne sais pas encore si je vais vous le commenter. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir après cette vidéo, enfin, dans la même vidéo en fait, vous allez voir un extrait de gameplay pour vous montrer au moins un niveau, voire deux. Donc vous allez voir à quel point le jeu il est beau, bien fluide, bien animé, tout ça, que les musiques sont vraiment, vraiment géniales. Vraiment, il y a, voilà, c'est vraiment du... C'est vraiment pour les nostalgiques, vraiment pour les nostalgiques de Sonic qui ont connu vraiment l'âge d'or de Sonic et de Sega. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. C'est à la fois on retrouve donc des niveaux finalement inspirés de tous les de pas mal de Sonic en fait. Hein, et c'est mieux. Finalement, c'est mieux que ce qu'on a connu, quoi. C'est mieux que ce qu'on a connu. Donc, voilà, je vais vous laisser par après savourer le ou les niveaux que je vais vous montrer en extrait. Et bah, n'hésitez pas après à me dire ce que vous en pensez. Moi, pour ma part, c'est un jeu, je vous le dis, achetez-vous-le, que ce soit sur Switch, PS4, One ou PC. Peu importe, achetez-vous-le. N'hésitez pas à vous prendre la version physique aussi parce qu'elle vaut le coup. Même si vous n'êtes pas collectionneur comme moi, c'est une jolie version. Vraiment, elle vaut le coup. Pour ceux qui connaissent pas Sonic, honnêtement, je vous conseille. Je vous conseille de découvrir parce que c'est vraiment Sonic, ça reste un personnage emblématique depuis toujours. Comme quoi, il n'y avait pas que Mario en jeu de plateforme, hein, même si Mario, ça reste vraiment génial. Moi, en ce qui me concerne, je préfère Sonic. C'est assez différent, mais j'ai toujours été un fan de Sega, donc c'est comme ça. Donc là, vous verrez dans ce jeu-là pas mal de niveaux qui vont. Vous allez vous dire, ah, mais oui, ça, c'est un niveau de tel titre et tout. Mais en mieux, finalement. C'est en mieux. Il y a vraiment tout un tas de nouveautés. C'est un jeu qui est vraiment très très bien animé, très fluide, de très bonne musique. Le Sonic est toujours aussi rapide comme à l'époque, même mieux. Assez difficile de faire mieux vu qu'il était déjà assez rapide. Mais bon, c'est vrai que à la fois on a ce côté nostalgique de se dire tiens, on joue à un jeu ancien. Tout en étant finalement d'actualité, parce que finalement, avec la technologie d'aujourd'hui, on peut faire quand même une meilleure 2D, une meilleure fluidité sur l'image, l'animation, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce que Sonic, c'est vraiment l'un de mes personnages préférés au niveau platformer, et puis. Et dans tout ce qui est rétro. Donc vraiment, moi je vous conseille ce jeu-là. Si votre question c'était est-ce que je dois connaître, est-ce que je dois acheter ce jeu, etc. Oui, la réponse est oui. Voilà. Honnêtement, si je devais mettre une note, je ne le ferais pas, mais si je devais mettre une note, ce serait sans doute la note... pas un 20 sur 20 non plus, mais je pense à un bon 18. Facile. Voilà. Un bon 18, voire même 19. Voilà, c'est peut-être un peu trop pour certains, mais honnêtement, il mérite d'avoir une excellente note. Donc voilà, si ça peut vous donner une idée. Très bien, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette première partie, et on se retrouve dans quelques instants pour des extraits de gameplay, et la vidéo sera clôturée par des trailers. Merci à tous! Et à bientôt les amis.
Rated E for everyone.